Alors, Red Bull a trouvé la cause des abandons, hein, c'est qu'il y a un, nous pouvons résoudre le problème en Arabie Saoudite. Marco a eu le rapport des ingés mercredi soir. Pour le dire simplement, un vide s'est créé dans le système d'alimentation en carburant et a provoqué une panne dans l'afflux de carburant moteur. Je pense que nous pouvons déjà résoudre le problème pour l'Arabie Saoudite ce week-end. Sans donner de chiffres exacts, il y avait encore assez d'essence dans le réservoir des deux voitures, mais la pompe n'était pas bien immergée a priori. Nous devons la remplacer autrement pour éviter ce vide. D'accord. Malgré la fin difficile de l'équipe au Grand Prix de Bahreïn, Marco est convaincu que Red Bull pourrait rebondir en Arabie Saoudite. En gros, nous étions assez rapides à Bahreïn. Nous n'avons tout simplement pas pu utiliser notre potentiel au moment décisif. En Arabie Saoudite, nous nous battrons pour la victoire. Alors, pour le coup, je doute que ce soit le même problème pour Pérez parce que on l'a vu, hein, partir en tête à queue, Pérez, et puis après, il n'a pas pu repartir en fait. Donc, c'est quand même assez étonnant. On aurait pu penser à un problème de récupération d'énergie du fait qu'il n'a pas pu repartir et qu'il soit parti en tête à queue. Bon, pour Gasly, évidemment, c'est une casse moteur, hein, il n'y a pas de doute possible, vu la fumée, le feu même, l'incendie qui s'est déclaré. Et pour Verstappen, donc, apparemment, ce serait ça. Bon, rien de très grave, en tout cas, pour Red Bull, rien qui pourrait ne pas être corrigé, quoi. Donc ça va aller pour le Jeddah, je pense, pour eux. Allez, on verra ça, ciao ciao.